J'ai l'impression que qu'elle est partie. Bon, retournons dans ces salles Jupiter. Parce qu'il parlait de trois choses. Là, j'ai découvert que le sablier. Il y a peut-être d'autres trucs à vérifier. Est-ce qu'elle est de retour? Mais, punaise, elle passe tout son temps ici, celle-là. Bon. Les mannequins. Celui qui est le plus proche de l'espèce de machine est accroupi. On va voir de l'autre côté. C'est pas la même chose. On va essayer. Ok, donc il y a bien trois choses à découvrir ici. Alors, j'ai déjà trouvé le sablier et les mannequins. Maintenant, le reste. Des papillons. Non, 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 on va pas regarder ça tout de suite. Peut-être l'échiquier. Non. Oh, oui, tu m'as fait peur. Bon, là aussi, c'est des papillons, donc ça va. Là, ça a l'air d'être pareil. Trois fioles et... Enfin non, elle dit qu'il n'y a qu'une seule fiole, mais il y a trois trucs. Ok, ok, on va voir. Non, ça m'a l'air pareil. Ça serait peut-être le feu, vu qu'il y a l'autre là qui chipote dedans. Four industriel. Je ne sais pas. Non, je préfère pas. Je sais pas, le reste me semble identique. La machine. Non, la machine, c'est la même. Allez, soyons fous. Au pire, je viens de sauver. Oh, je le sens mal. Oh, je le sens mal.
quand même une façon très conne de mourir. Bon, c'est pas grave. Bon, on recommence. J'avais inspecté. Oh, elle est de retour là. C'est pas vrai. Ah, punaise, elle est là. Mais qu'est-ce que... Fiona, qu'est-ce que tu fous? Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais inspecté? Je sais plus. Les mannequins, c'est ça. C'était les mannequins. Flûte, je vais aller trop vite. Ça, on a déjà vu, c'est bon. Je sais que je vais à quelque chose. Quel serait le troisième? Parce qu'il parle quand même de trois mensonges. Non, ça, c'est le jeu d'échecs. Je sais que c'est pas le feu. Donc il me reste les insectes, la fiole, les échecs. Et la machine. Je vais retourner voir de l'autre côté. Ok, les papillons sont en haut à droite quand j'observe. Peut-être là, il y a le chiquier aussi. Non, le chiquier. Me semble le même. Et ça, ça m'a l'air bon aussi. La machine m'a l'air... Oh, c'est compliqué. Bon, je vais voir ça après. Je vais voir si ça a pas ouvert quelque chose quand même. Le fait d'avoir ouvert ces... Enfin, d'avoir inspecté ces mannequins. Non, il parle bien de trois trucs, hein. Bon. Mais non, 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 c'est bon, j'ai lu. On va retourner par là, on verra bien. Peut-être que le deuxième truc a ouvert ça ici, on sait jamais. Non, toujours pas. Yui.
Il y a toujours la main qui fait coucou. Et ici, c'est toujours fermé, je parie. Qu'est-ce qui a pu bouger? Qu'est-ce qui a bien pu bouger? Mais ça ressemble à un truc qu'il y avait en haut, ça. Je vais aller vérifier quelque chose vite fait. Et si... si je vois rien de bizarre... qu'est-ce que je fous? Hein? Attends, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah bon, il y avait un chemin, ici. Ah bah oui. Si je n'ouvre pas la... porte... pas ça le chemin avant. Qu'est-ce que je fais? Non, lâche-moi, saloperie, lâche. Ok, je ne peux pas prendre la clé tout de suite. C'est quoi ça, c'est un levier? Mauvaise idée de cachette. Ouh, très mauvaise idée de cachette. Et oui. Ah. What? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce un outil utilisé pour torturer? Le feu est principalement composé de chaleur et sécheresse. L'air diffère du feu seulement par le fait qu'il est formé d'humidité. La terre et le feu sont sans aucun doute tous deux en possession de sécheresse. L'eau diffère de l'air par le fait qu'elle ne contient pas de chaleur. Le froid est le composant qui sépare le feu de la terre, pourtant c'est la sécheresse qui sépare la même terre et l'eau. Et ainsi, en liant les quatre éléments ensemble, il lui dit que le... quoi? Carena, Aurea, ou lien alchimique fondamental est formé. C'est ce qui lie chair et esprit ensemble pour un infini. Chaleur et sécheresse forment l'élément du feu. Qu'est-ce que ça signifie? Chaleur et sécheresse... bon, j'imagine qu'il me faut mon chien. Yui. Oh, punaise, Yui, arrête de faire ça. Come on. Allez, Yui, viens ici. Donc, il faut chaleur et sécheresse, donc. Yui, viens ici. Yui. Non, ici. Yui. Allez, encore un peu. Come on. Come on. Sit. Là. Je crois que je dois éteindre toutes les bougies. Ok, j'ai compris. Ça, ça éteint ça. Come on. Come
on. Non. Allez, viens ici. Et oui. Non. Oui, bon, allez, si, on va dire que oui. Il en reste une. je sais pas lequel faire. Ah! Flûte! ok. Come on. Ok. Ok. Sit. Soyons fous. Ah. Je vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. On va relire un peu tout ça. Sit. Reste là, bouge pas. Non, non, flûte. T'es pas dessus. Eh oui. Come on. Come on. Non, t'es pas dessus, oui. Voilà. Come on. Sit. Voilà. Aha! Est-ce que ça veut dire que je peux prendre la clé? Ah oui! Ouf! Clé Vénus, mais c'est même pas encore... Ah non, c'était Vénus, pas Mercure alors, de l'autre côté? Bon, bref, je connais pas le symbole des planètes par cœur. Mais au moins, j'ai récupéré une clé. Je vais en profiter... aller sauver parce que c'est un peu du hasard si j'ai réussi cette énigme. Ah, ça me dit quelque chose ici.